Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve pour de nouvelles astuces de Liberty Trade. J'espère que vous allez bien. Dans les trois dernières vidéos, j'avais parlé, j'avais mentionné le money management. Et ben, ça tombe bien. Dans cette vidéo, on va parler que de ça. On se retrouve tout de suite. Alors, le money management, c'est quoi On va voir ça tout de suite. On va voir que le money management, ça permet de répondre à deux questions très importantes. Ces questions sont les suivantes Combien vais-je risquer sur mon trade Et combien de l'eau vais-je utiliser pour ce même trade Alors, je rappelle rapidement que même un bon système de trading est sans valeur si on n'applique pas un bon money management. Alors, on va voir une petite définition maintenant du money management. C'est une technique qui vise à optimiser la gestion du risque ainsi que les performances du compte de trading. Alors, ça passe par plusieurs thèmes différents, notamment l'allocation du capital. Alors, cette allocation du capital, ça va passer par différents moyens. On aura la possibilité d'allouer son capital en fonction de lots fixes. Donc, on, on va trader euh, notre capital de trading euh, avec des lots fixes déjà déterminé, on aura du position sizing qui va nous permettre aussi donc de trader en fonction de l'eau mais qui vont être évolutifs en fonction de votre capital. Et enfin, on aura aussi pour la partie vraiment pourcentage de capital, on aura donc un pourcentage de capital fixe par position. Alors qu'est-ce que j'entends par là Le pourcentage du capital fixe par position, c'est en fait quand vous allez euh, trader avec un pourcentage de votre capital de départ, par exemple imaginons qu'on a un compte à 5000 euros, eh je vais trader un pourcentage du capital de ces 5000 euros. Et même quand j'aurai par exemple 5100 euros, 5200 euros, le pourcentage que j'utiliserai pour trader restera le même jusqu'à atteindre un niveau que j'aurai déterminé pour passer à l'étape d'après et augmenter euh, ainsi donc notre taille, notre position euh, sur les trades. On aura d'autres possibilités avec le pourcentage donc du capital évolutif. Donc là, c'est-à-dire dès qu'on fait des gains, notre taille va forcément augmenter puisque à 5100 euros, on ne va pas risquer euh, le même montant. Euh, même si on garde le même pourcentage, on ne risquera pas le même montant donc sur les prochains trades. Et on aura aussi la possibilité donc de faire du pourcentage de capital en fonction de votre portefeuille global. C'est-à-dire que si vous avez déjà des positions en cours. Ça va influencer en fait sur les positions que vous allez prendre maintenant pour pouvoir vous protéger un peu mieux sur votre portefeuille de manière globale et ne pas avoir un risque trop grand. Donc, au fur et à mesure que vous additionnez peut-être des positions sur d'autres devises tandis que vous êtes déjà en position sur d'autres, donc on va aussi avoir à gérer les pertes et les profits. Alors il y a différentes manières de le faire. Il y a euh, ici j'ai écrit euh, stable la manière stable, c'est-à-dire qu'est-ce que j'entends par là, hein c'est-à-dire que euh, en fait on va tout simplement pas toucher en fonction du nombre de pertes ou de, du nombre de gains. On va laisser faire donc notre système de trading et évoluer comme ça. A contrario, on pourra euh, utiliser la méthode de diminuer donc son risque suite à une perte. Il y a des traders qui, qui utilisent cette méthode, c'est-à-dire que quand on va commencer à avoir une perte, on va se dire qu'on va euh, entamer peut-être une phase de drawdown, c'est-à-dire une mauvaise phase de trading où on va commencer à avoir plusieurs pertes qui s'enchaînent. Et bien à ce moment-là, je vais décider de, ris de risquer moins sur euh, donc mes positions, attendre qu'on ait de nouvelles bonnes positions pour revenir donc sur euh, un risque euh, normal. Alors à contrario, euh, il y a des traders qui qui prennent euh, la décision donc d'augmenter le risque à la suite d'une perte, ils se disent qu'ils ont perdu euh, une position, ça veut dire très certainement que euh, la prochaine position risque d'être bonne, donc ils vont augmenter un petit peu leur risque pour d'autant plus vite en fait récupérer la perte qu'ils ont engendrée juste avant. Il y a aussi la possibilité donc d'augmenter son risque suite à un gain. Ça c'est pour les traders qui se disent qu'on est dans une bonne période, c'est le moment d'y aller. On va augmenter un petit peu le risque et on va continuer comme ça. A contrario, quand on aura donc des bonnes positions, il y a des traders qui vont la jouer plus safe, qui vont décider de diminuer leur risque puisqu'ils auront engendré déjà des profits. Ils vont vouloir protéger leur capital et essayer de générer des petites positions pour pouvoir poursuivre le mouvement. Donc, vraiment euh, différentes approches, vous avez plein de possibilités et euh, notamment donc, plein de choses à exploiter euh, dans le cadre d'une stratégie de trading et un plan de trading bien établi. Alors, mon application à moi euh, donc, du money management, c'est quoi C'est un risque de 0,5% de mon capital, mais fixe par trade, ce qui signifie qu'il faudra plus de 200 positions perdantes avant que je perde mon compte donc c'est quelque chose qui est très très peu probable euh, d'arriver puisque euh, 200 positions et même plus donc de 200 positions puisque je fais en fonction d'un pourcentage fixe du capital euh, c'est vraiment très peu probable que ça se passe et pourquoi je fais ça parce que le plus important en trading c'est toujours aussi de pouvoir être présent de pouvoir même après une mauvaise période en fait de, de trade de pouvoir toujours être là et euh, relancer la machine et continuer de, de faire son plan d'appliquer donc sa stratégie et de donc de revenir et c'est comme ça qu'on passe à travers donc les mauvaises périodes les drown -down et qu'on redevient positif sur un compte de trading donc à cette partie donc de pourcentage fixe par trade j'ai aussi donc la, la partie position sizing à la hausse ou à la baisse ce qui va me permettre de lisser mes résultats en période donc de perte et de profiter des moments de hausse. Alors côté pratique, comment calculer le nombre de lots nécessaire pour qu'un nombre de pips représente le montant en euros souhaité Alors si c'est pas très clair, autrement dit, ça va donner ça. Autrement dit, pour que 20 pips représentent 40 euros comment on calcule ça et comment on peut le faire. Donc vous avez deux choix soit vous créez un tableau Excel, moi c'est ce que j'ai fait soit vous utilisez un site internet. Alors pour ceux qui n'ont pas le tableau Excel, je vais montrer l'exemple avec le site internet comme ça ce sera accessible à tous. Alors j'ai choisi le site internet babypips.com. C'est un site où on va voir qu'on va pouvoir calculer notre position size de manière très simple. Ici donc vous avez le concurrency donc nous on va mettre en euros. La balance on va dire qu'on a un compte à 5000 euros on va prendre donc un risque de 0,5 on va ici donc mettre un stop en, en pips donc on va dire qu'on va avoir un stop loss de euh, 20 pips on va euh, prendre une position par exemple sur euro usd alors euro usd à l'heure actuelle on est à 1,0928 donc ici on est en euro usd 1,0928 et on clique sur calculate donc voilà, ça nous donne le risque. Donc on va risquer 25 euros. On aura ici les lots standard et les euh, lots mini. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les micro lots. Donc micro lots ici il y a marqué 13. Donc sur votre plateforme, 13 micro lots, ça correspond à un lot de 0,13. Donc avec ça, vous savez que pour prendre votre position avec un stop loss qui est de 20 pips, vous savez euh, que vous voulez euh, donc risquer 25 euros. Et avec ça, donc vous savez qu'il vous faut inscrire 0,13 de euh, dans la case volume pour pouvoir prendre cette position et qu'elle corresponde pile poil à un risque de 25 euros donc voilà pour le côté pratique euh, voilà donc pour une courte vidéo sur le money management j'espère que vous avez trouvé ça intéressant si vous avez des questions sur le money management n'hésitez pas à m'en poser sous cette vidéo sur la page youtube et la prochaine vidéo qu'on fera euh, donc des astuces de Liberty Trade ce sera la semaine prochaine on parlera notamment donc de euh, formules gagnantes sur les systèmes de trading. D'ici là, je vous souhaite à tous un excellent week-end.